La nuit est tombée. Dans un instant, ils seront sur la route. En galopant toute la nuit, ils devraient avoir rejoint la Rochefoucauld dès demain. Je regrette tant de ne pas partir aussi. Tu les rejoindras dès que possible. Vous nous êtes bien plus utiles ici. Enfin, espérons-le. Le tout est de savoir s'il vous a reconnu. Je ne peux évidemment rien affirmer, car il a fait comme si j'étais réellement son Altesse. Mais je suis presque sûre qu'il a dû me reconnaître. Mais alors dans ce cas-là, ma petite Claire, nous sommes perdus. Nous le sommes s'il croit que la vicomtesse de Cambes a pris la place de son Altesse pour dissimuler sa fuite, mais pas s'il croit que la vicomtesse est réellement la princesse ayant pris le nom de Cambes et le costume masculin pour voyager incognito. Ce qui est possible, puisqu'il n'avait jamais vu son Altesse. C'est quand même une étrange coïncidence que tu l'aies rencontré en venant ici et que tu lui aies rendu ce service. Mais en quel terme étiez-vous exactement? Simple amabilité polie ou bonne camaraderie? À vrai dire, ni l'un ni l'autre, car il m'avait deviné sous mon travesti masculin. Deviné et apprécié? Qu'il soit reconnaissant à Claire de lui avoir sauvé la vie est plutôt une bonne chose pour nous. N'est-ce pas, mon bon Lenet? Mais s'il se croit amoureux de la princesse de Condé, cela pourrait compliquer nos affaires. Il n'en est absolument rien. Votre Altesse n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Son Altesse ne va pas tarder à partir. Je vais aller lui souhaiter bonne chance et bonne route. Je vous l'interdis bien. On ne les remarque déjà que trop si l'on vous y voyait en plus. Votre Altesse va d'ailleurs me faire le plaisir de retourner dans sa chambre et dans son lit. Elle semble oublier qu'elle est souffrante et qu'elle n'a pas intérêt à se faire rencontrer dans les couloirs du château par Monsieur de Canolles. Mais enfin, mon capitaine, vous êtes sûr que c'était bien lui? Enfin, que c'était bien elle? J'en donnerai ma main à couper. J'irai même jusqu'au bras. Alors, monsieur, a partagé la chambre et même failli partager le lit d'une princesse du sang. Eh oui, mon bon Castor, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Alors, si monsieur compte pousser ses avantages, monsieur aurait-il aussi la bonté de penser un petit peu à moi et de voir si dans la domesticité de la personne en question, il n'y aurait pas une personne un peu plus accorde que ce pompé qui l'accompagnait pendant le voyage? Nous étudierons la chose en temps utile. Et nous tâcherons, peut-être, de te trouver une francinette de rechange. Dis-moi, Castor, hein, quand même, tu ne trouves pas bizarre qu'une princesse du sang se promène en travesti à travers la France avec un vieux valet pour toute escorte? Oui, surtout quand on a un prince de mari emprisonné à Vincennes. Cela voudrait peut-être dire que... Alors, monsieur pense qu'une jeune femme assez douée pour s'être déjà travestie en petit jeune homme, aurait dans la foulée, elle aurait pu s'offrir à un autre déguisement? Eh oui. D'ailleurs, j'aimerais mieux ça. Entrer en rivalité avec le grand Condé, Seigneur Dieu. Oui, mais alors, elle n'est peut-être pas la véritable princesse. Oui. Je ne se sens pas bien. Le tableau. C'est elle dans le tableau. Quel tableau? Entrez. Monsieur le baron de Canolles demande à être reçu. Dites-lui que je ne peux pas le recevoir, qu'il revienne demain. Dites-lui que vous n'êtes pas là, que vous êtes occupé. Mais monsieur... De toute façon, je m'en moque, car ce n'est pas vous que je viens voir. Si c'est son Altesse, la princesse douairière, elle repose actuellement. Ce n'est pas elle non plus. C'est elle que je viens voir. Ne trouvez-vous pas qu'elle a beaucoup changé depuis quelque temps? Si j'en juge tout au moins par le peu que son Altesse a daigné me laisser entrevoir tout à l'heure. Je ne vous comprends pas. Vous comprenez parfaitement bien. Au contraire. Et vous eussiez dû soit retirer tous les portraits de la princesse, ou en trouver une copie en chair et en os un peu plus conforme au modèle. Quand vous cesserez, monsieur, de parler par énigme? De toute façon, maintenant, c'est ton modèle de ce tableau que j'aimerais parler. À son Altesse? Mais elle vous a déjà accordé une entrevue, puis il n'est pas question que vous la voyiez à une pareille heure.
Il n'est certes pas question que je la voie à cette heure-ci ou à n'importe quelle autre, puisque je viens de la voir s'enfuir de Chantilly. C'est avec celle qui a pris sa place dans son lit que j'aimerais maintenant m'expliquer. Savez-vous, monsieur de Canolles, qu'il y a suffisamment d'hommes ici pour vous interdire l'accès de toute pièce où votre présence serait jugée inopportune? Savez-vous, monsieur Lenay, qu'il y a suffisamment d'hommes à proximité d'ici et qui n'attendent qu'un signal de moi pour arrêter tous les gens de ce château, et surtout une certaine personne qui n'y est plus, et que nous aurions vite fait de rattraper. Monsieur l'officier, bonjour. Dites-moi, ceci est bien le château de Chantilly. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Pour nous autres Gascons, toutes ces bâtisses au-dessus de la Loire se ressemblent fort. Vous en avez beaucoup au-dessous de la Loire, des bâtisses comme celle-ci? Il y en a tant que même le cardinal de Richelieu n'a pas réussi à en détruire le quart. Eh bien, puisque c'est bien le château de Chantilly, j'aimerais beaucoup parler à son Altesse royale, la princesse de Condé. Laquelle? La plus importante. C'est pour une affaire, mais justement une affaire d'importance. Alors si c'est pour affaire, il faut d'abord voir monsieur Lenay. C'est lui qui règle toutes les affaires de mesdames les princesses. Eh bien, va pour ce Lenay. Et qui dois-je faire annoncer? Monsieur de Cauvignac. Non, dites plutôt marquis de Cauvignac. Madame, je me permets de vous rappeler que je suis ici au nom du roi. Et c'est en son nom que je dois m'assurer avec l'honneur de voir son visage que c'est bien à son Altesse royale que je parle. Et à qui d'autre, monsieur, pourriez-vous donc parler? Sous ce toit, dans cette chambre. Si c'est comme vous le dites, le roi qui vous force à vous conduire ainsi, c'est que sa majesté, qui n'est qu'un enfant, ne connaît pas encore les devoirs d'un gentilhomme. Mais le roi, madame, ne fait pour le moment tout au moins que ce que lui conseille sa majesté la reine-mère. Ce qui m'autorise, à la fois au nom du roi et de la reine, à m'accorder le plaisir de mieux vous regarder. Eh bien, monsieur, regardez-moi. Observez-moi, dévisagez-moi, puisque telle est votre mission. Et dites-le maintenant ce que vous brûlez de dire depuis que vous êtes ici. Que je ne suis pâle. Maintenant que j'ai eu le privilège de voir et de reconnaître votre Altesse, je puis lui confier ce que je dois lui dire en tête à tête. Ce que vous devez me dire? Eh bien, monsieur, je vous écoute. Ce que je dois dire à votre Altesse en tête à tête. Monsieur. Madame, il y a certaines paroles qui doivent rester rigoureusement secrètes. Laissez-nous, je vous prie. Eh bien, monsieur, quel est donc ce si grand secret qu'il ne pouvait être entendu d'une de mes suivantes? Il me semble, pour le moment tout au moins, que c'est un secret qui doit rester entre nous. Enfin, monsieur, vous oubliez à qui vous parlez. Je peux d'autant moins l'oublier que je me demande si je ne l'ai jamais su. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, mon doux ange, c'est que vous venez deux fois de suite et en l'espace de quelques jours de vous faire passer auprès de moi pour quelqu'un que vous n'étiez pas. D'abord pour un jeune homme, ensuite pour une princesse du sang. Et que je suis donc parfaitement fondé à me demander qui vous êtes réellement. Je vous prierai de mettre un terme à vos insolences et à vos élucubrations. D'autant plus que vous avez vous-même reconnu tout à l'heure que j'étais bien la princesse de Condé. Et cela, c'était pour faire déguerpir votre soubrette. Car la princesse de Condé, la vraie, je l'ai vue s'enfuir de Chantilly hier soir, alors que je suis ici pour l'en empêcher. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que je vous aime. Comme j'ai eu l'honneur déjà de vous le dire. Non, ne retirez pas. C'est pour vous, Claire, parce que je vous aime. Et puis sans doute aussi parce que dans le fond, je n'aime pas tellement ce Mazarin et que je n'ai pas d'inimitié particulière envers la famille de Condé. Et puis ne vous étais-je pas redevable? Je pense que ceci, étant donné que vous êtes un gentilhomme, est la véritable raison de votre geste. Car en ce qui concerne le sentiment que vous dites avoir pour moi, je suis sûre que vous devez vous abuser vous-même.
vous interdis bien de penser une pareille chose et je... Il n'en reste pas moins vrai que c'est à mon tour de vous remercier pour ce que vous avez fait. Ou plutôt pour ce que vous n'avez pas fait. Et vous souhaitez bonne route, puisque maintenant votre mission est terminée. Mais elle ne fait au contraire que commencer. Comment cela ? Et je veux dire que si j'ai laissé s'enfuir son Altesse Royale, c'est pour pouvoir rester seul avec vous. Et vous n'allez pas retourner auprès de la reine ? Pour lui avouer que j'ai contrevenu à ses ordres, en laissant filer par amour sa plus farouche ennemie, au lieu de tout faire pour l'en empêcher. Et vous voulez donc que j'aille retrouver votre ami, le prince de Condé, au donjon de Vincennes ? Non, bien sûr. Mais alors qu'allez-vous faire ? Il faut que je reste ici le plus longtemps possible et que j'ai l'air d'avoir été votre dupe, la dupe de votre ruse, afin que le plus longtemps possible, je puisse rendre compte à Monsieur de Mazarin, non pas ce que je sais, mais de ce que je suis censé voir, jusqu'à ce que je finisse par accepter que j'ai été votre dupe et que je me suis laissé abuser par une aventurière que j'ai pris pour la princesse de Condé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le voyez bien ? J'appelle ma femme de chambre. Et pourquoi ? Voyons, monsieur de Canol, si vous voulez vraiment faire croire que vous me prenez bien pour la princesse de Condé, vous ne pouvez rester aussi longtemps dans la chambre de son Altesse à lui faire des compliments et à lui dire des galanteries. Je prie votre Altesse de bien vouloir me donner la permission de me retirer. Le marquis de Cauvignac ? Ah non, je ne vois vraiment pas de qui il peut s'agir. Il ne vous a pas dit ce qu'il voulait ? Non. Mais il m'a dit de vous donner ceci, et il a ajouté que Monsieur Lenay comprendrait sûrement. Ah oui, je crois bien que je comprends, oui. Amenez-moi vite ce monsieur de Cauvignac. Et pourtant, capitaine, votre mission ? Ma mission ? Quelle mission ? Celle de surveiller la princesse de Condé, de l'arrêter, et même s'il faut, la ramener à monsieur le cardinal. Dites-moi bien, Castorin, que je ne suis pas le garde-chiourme du cardinal. Je suis capitaine, comme tu viens justement de le dire, et que la mission d'un soldat n'est pas d'arrêter des dames. Princesse, du sort ou pas ? Enfin, monsieur le baron l'avait accepté, cette mission. Ah oui, je ne pouvais pas savoir que la princesse ne serait pas vraiment la princesse. Et mets-toi bien dans la tête, Castorin, que je n'ai qu'une seule ambition. Et de me faire aimer la vicomtesse de Cambe. C'est bien là son véritable nom. Oui, en tout cas, quel que soit son nom, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Non, je ne suis pas du tout de ton avis. Il ne s'agit qu'une question de lieu et de circonstances. Voilà. Et puis je n'avais pas le choix. Ou bien j'arrêtais la véritable princesse et je me mettais à dos la fausse, enfin clair, ou je ne l'arrêtais pas et je me conciliais les faveurs de l'autre. Enfin, mon capitaine, il y aura encore temps de faire quelque chose. Avec les 200 hommes qui sont à notre disposition et qui attendent que votre signal, il est encore temps de ramener la princesse et de remplir notre mission. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, que nous la remplissions ou non, notre mission, veux-tu dire ? Mais enfin, si on arrête monsieur le baron, qu'est-ce que je vais devenir ? Ou bien je suis obligé de les suivre en prison, ou alors je me retrouve sans situation. Oh ben non. Non. Avant toute chose, monsieur, voici votre blanc-seing. Il ne vous intéresse pas. Et il m'intéresse fort, au contraire. Le contraire m'eût d'ailleurs surpris. Mais avant d'en parler plus avant, puis-je me permettre de vous demander s'il est bien à vous ? Il est, monsieur, à celui qui le possédera, car comme vous avez pu le voir, il n'y a d'autre nom dessus que celui de Monseigneur le Duc d'Épernon. Quand je vous demande s'il est bien à vous, cela équivaut, bien entendu, à vous demander si vous le possédez du consentement de monsieur le duc d'Épernon. Je le tiens de sa propre main. Celui qui le possédera peut donc l'utiliser en toute sécurité. Assurément. Dans ce cas-là, pourquoi ne l'utilisez-vous pas vous-même ? Parce qu'en gardant ce blanc-seing pour moi, je n'en puis tirer qu'une chose. Tandis qu'en vous le cédant, j'en puis tirer deux. Du moins, je l'espère. Et quelles seraient ces deux choses ? Eh bien, tout d'abord, de l'argent. Hélas, nous n'en avons guère. Oh, je saurais me montrer raisonnable si nous nous entendons sur le second point. Quel est-il ? Un grade dans l'armée de messieurs les princes.
Vous demandez sinon l'impossible, tout au moins le difficile. De l'argent que nous n'avons plus, ou presque plus, et un grade dans une armée que nous n'avons pas. Pas encore, mais ça ne serait tardé. Dieu vous entende, monsieur le marquis, mais si vous pouvez vous contenter d'un futur grade dans une future armée, je suis tout prêt, me fiant à votre allure martiale, à vous concéder un brevet. Reste donc l'argent. Reste effectivement l'argent. Quelle somme désirez-vous ? Eh bien, je vous ai dit que je saurais me montrer raisonnable. Je ne vous demanderai que 3 000 écus. 3 000 écus. Nous n'avons sans doute pas la même conception du raisonnable. Je suis sûr que Monseigneur le Duc d'Épernon serait fort offensé de savoir que l'on marchande ses blancs-seins. Aussi, nous ne lui ferons pas cette peine. Voici d'abord le brevet en question. Et puis, voici les espèces. Mais aurez-vous, monsieur, des poches assez grandes? Eh bien, monsieur Lenay, si les poches ne suffisent pas, il me restera le chapeau. Vous m'avez fait prier, madame. Oui. J'aurais deux mots à vous dire, monsieur de Canol, à propos de ce message que vous m'avez apporté de la part de la reine. Veuillez me laisser un instant, mesdames, avec l'envoyé de sa majesté. Asseyez-vous, je vous en prie. Auprès de votre Altesse. Et veuillez cesser cette comédie. Vous ne manquez pas, madame, d'une certaine audace, alors que c'est pour vous et à cause de vous que je la joue, cette comédie. Oui, bien sûr. Mais pas avec cette ironie dans l'intimité. Ah, et c'est cela que vous appelez l'intimité? Elle est toute relative, je vous l'accorde. Mais vous voyez qu'elle permet quand même le tête-à-tête. Je l'eusse préféré plus enfermé, plus rapproché. Vous savez bien qu'ici, à Chantilly, aucun homme ne peut s'attarder dans les appartements de la princesse de Condé. Et que la princesse de Condé peut encore moins se rendre dans la chambre d'un homme. Surtout s'il a partie liée avec ses ennemis. Alors pourquoi la princesse m'a-t-elle fait venir? Pour vous demander de partir de Chantilly, monsieur de Canol. Et moi qui pensais, qui avais follement espéré que c'était pour m'avertir d'un moyen, d'un endroit, d'un moment que vous auriez trouvé pour pouvoir me voir, me retrouver. Il faut que vous partiez ou que vous me laissiez partir. Mieux encore que nous partions chacun de notre côté. Vous êtes la femme que j'aime, Claire. Qui m'avait déjà échappé deux fois et que je ne veux pas perdre une troisième fois. Il aurait pourtant un moyen bien simple à ce que nous ne nous perdions plus. Lequel ? Que vous rejoigniez avec moi le camp des princes, en vous mettant au service de son Altesse, au lieu de faire les commissions de ce faquin de Mazarin. Je n'ose comprendre que vous me conseillez d'être parjure. Parjure à Mazarin ? Parjure à la France. Car je ne suis le serviteur ni des Condés ni de Mazarin, mais celui de la reine de France et du roi son fils. La reine de France, comme vous dites, est une Espagnole, envoûtée par un Italien. Et le roi de France n'est qu'un enfant. Mais vous-même, monsieur de Canol, qui prétendez n'être le serviteur de personne en dehors de leur majesté, ne seriez-vous pas plutôt celui de mademoiselle Nanon de l'Artigue? Je l'ai été, c'est vrai, mais je ne le suis plus. Et depuis quand, grand Dieu? Depuis que je vous ai rencontré et que vous m'avez sauvé la vie, pour que je puisse vous la consacrer. Vous essayez de vous persuader que vous m'aimez. Vous savez bien au fond de vous que ce n'est qu'un caprice. Un fleuron de plus à votre couronne. N'êtes tout de même pas jalouse de toutes les femmes que j'ai pu connaître avant vous? Jalouse d'une Nanon de l'Artigue? Je vous conseille d'aller la retrouver au plus vite. Depuis le temps qu'elle vous attend, elle doit commencer à s'impatienter. Et puis cela me permettrait de partir de mon côté. Vous oubliez que j'ai votre parole de ne pas quitter Chantilly sans que je ne sois averti. Eh bien, monsieur de Canol, puisque je ne puis partir sans vous prévenir, je vous avertis que j'aurai quitté Chantilly dès demain matin.
Dis-moi, la belle, qui est cette jeune femme? Mais c'est son Altesse, la princesse de Condé. La princesse de Condé? Ma pauvre Nanon. Pourquoi? Pourquoi? Mais pour rien, la belle. Pour rien. Ah. Le baron de Canolles, en dehors du fait qu'il en tienne pour le Mazarin, et sans doute pas d'une manière bien ferme, me paraît un brillant sujet. Et vous ne seriez pas fâché que Claire le gagnât à notre cause? Oui, je pense qu'il serait une recrue plus solide que celle que nous venons de faire. Ah, vous voulez parler de l'homme du Blanc-Seing? Oui, le gaillard semble débordé de ressources, mais aussi de duplicité. Mais vous croyez vraiment que nous pouvons utiliser ce Blanc-Seing? C'est le morceau de papier le plus précieux que nous ayons jamais détenu. Ce Blanc-Seing peut nous gagner définitivement la Guyenne. Madame la princesse, votre brute devrait être maintenant par ici, du côté du Coutras, où les hommes de la Rochefoucauld l'ont bientôt rejoint. Dieu vous entende, Lenay. Madame la vicomtesse de Cambles y rejoindra également, avec le Blanc-Seing. Et là, sur place, ils verront avec Richon de laquelle de ces deux forteresses, Vert ou Saint-Georges, il convient de nous assurer grâce à ce morceau de papier. Entrez. Vous. Oui. Il ne faut pas que l'on sache que son Altesse, la princesse de Condé, vient visiter dans sa chambre l'envoyé de M. Mazarin. Et qu'est-ce qui l'y pousse à y venir? Le remords. Je peux rester que quelques instants, mais je ne voulais pas que nous nous quittions sur cette mauvaise impression de cet après-midi. Ça me procure une joie encore plus grande que vous ne pouvez imaginer. Mais pourquoi toujours parler de nous quitter? Parce qu'il le faut. Nous ne pouvons ni nous ne devons rester ici, ni l'un ni l'autre. Mais nous pouvons nous quitter avec l'espoir de nous retrouver. Et si je vous quitte, rien ne me prouve que je vous retrouverai un jour. Sauf si nous provoquons ces retrouvailles et que nous convenons du lieu et du jour. Ça s'appelle un rendez-vous, il me semble. Oui. C'est pour cela que je suis venue vous trouver ce soir. Où irez-vous en quittant Chantilly? À Mantes. Essayez d'expliquer au cardinal et à la reine que je me suis laissé duper par la plus adorable des rouées. Et ensuite? Peut-être à la Bastille ou au donjon de Vincennes. Le Mazarin n'est quand même pas si rancunier. Supposons qu'il ne vous envoie ni à l'un ni à l'autre. Eh bien, je retrouverai mon régiment qui est cantonné en Guyane. J'y vais moi-même, auprès de Madame la Princesse, en passant par mon château de Cambes, qui est également dans les environs, à deux pas du Fort Saint-Georges. Alors nous nous y retrouverons, dussé-je m'évader de la Bastille ou du donjon de Vincennes. Il me semble que c'est bien loin, Cambes et le Fort Saint-Georges. Ne pourrions-nous pas nous retrouver avant? Peut-être connaissez-vous sur la route quelque auberge agréable. J'en connais deux. Celle où je vous ai rencontré et celle où je vous ai retrouvé. Je vous laisse le choix. L'auberge de Maître Miscarousse ou celle de Jaunet? Celle de Jaunet. Pourquoi? Parce qu'elle est plus près que l'autre. Et que nous aurons donc moins à attendre. À jour.